le premier rapport avec le métal, ouais, c'était les voitures. Parce que j'importais des DS en Hollande, là. On travaillait avec une association qui restaurait les DS. Et du coup, c'est là, je t'ai dit, j'ai vu les gars qui découpaient les longerons, qui remettaient les nouveaux longerons, enfin pliés comme à l'usine, aux normes, et qui les ressoudaient, quoi, point par point. Quoi. Et comme moi, j'aimais bien les vieilles bagnoles et tout ça, je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça. C'est le kiff, quoi. Travailler sur des bagnoles, les restaurer, avec un pote, il lui faisait la peinture. Et puis après, on a pris des chemins carrément différents. Bon, lui, il arrive à faire ça. Moi, je pense que je peux le faire aussi, peut-être différemment, tu vois. C'est toujours une question de défi chez moi, pour voir si j'y arrive. C'est déjà, moi, j'y arrive. Et qu'à la fin, ça me plaît. Bon, il y a toujours des petits défauts. Les autres ne les voient pas, mais nous, on les voit. Même s'il y a des petits défauts, que tu es quand même content de l'ensemble, bon, ça va. Des fois, tu fais des erreurs, tu ne peux pas revenir en arrière à la soudure. Donc, du coup, ben, tu regardes ta sculpture, ben, elle a travaillé, quoi. Parce que t'as pas... T'as pas bridé les pièces autant voulu, ou t'as rien serré avec des serre-joints comme ça, et tu vois ta tôle qui commence à travailler, ou ta sculpture même, quoi. Si tu chauffes trop, si tu soudes avec beaucoup de puissance, ta structure, là, de la sculpture, va commencer à travailler, parce que la chaleur se dilate hyper vite dans le reste de la ferraille. Donc du coup, ouais, y a tout ça qui rentre en compte, quoi. Faut souder, mais pas trop. Des fois, il faut souder à l'envers. C'est-à-dire, tu ramènes les points de force ou de fusion vers l'intérieur. Si tu pars toujours du même côté, ta fusion, elle va être toujours du même côté. Mais si tu soudes un coup à droite, et après tu soudes un coup à gauche et tu reviens vers le centre, là, tu équilibres, tu vois, la diffusion de la chaleur dans ta structure. J'ai fait pas mal de faune aquatique, quoi. Donc voilà, puis je suis assez sensible aussi à tous les déchets que je vois, tu sais, dans l'environnement. Dans la nature ou dans l'océan, tu vois. Quand j'étais à Bali, j'ai vu des mangroves remplies de plastique, de chaussures. Ça. Je me suis dit, oulala, on est mal parti, quoi. On a de la chance que les plages à Biscarrosse, ça ne soit pas comme ça. Ouais, c'est une tortue que j'ai fait vite fait. Il a fait quelques mois pour la faire. J'ai commencé par faire la structure, là, le fond. Après, j'ai rajouté des tôles par-dessus. J'ai fait les ailes. Avec de la tôle de récup, les étagères métalliques. C'est lui qui est à côté, là, le fondeur qui me les a donnés. Et du coup, ben, voilà, je taille dedans. Comme là, tu peux voir la forme des nageoires avant. Elles sont là, ici. Là. Et après, ben, j'enlève la peinture, je le meule. Et puis voilà, quoi, ça donne ça. Et après, j'ai rajouté des engrenages. La version un peu steampunk. Avec des engrenages pour qu'elle aille un peu plus vite, quoi, la tortue, et voilà, quoi, ça donne ça, là. Une tortue. Une tortue steampunk. Le calamar. J'ai mis des canettes de boissons dans les tentacules, dans le corps, là. Pour marquer un peu les esprits, rappeler aux gens que si demain on veut voir encore des calamars, si c'est que dans les aquariums qu'on peut les voir et puis dans la nature, c'est pas la même. Voilà. Tout le défi a été là, quoi. En fait, quoi. Moi, je vois plutôt ça comme un défi, quoi. Je fais une sculpture, quoi, pour voir si j'y arrive. Et là, j'ai percé des trous dans lesquels j'ai mis des boutons de pantalon que j'avais trouvé à la brocante à Saint-Michel. Voilà, ça rappelle un peu le Nautilus, le Captain Nemo, on va dire. Ça, c'est une carcasse de scooter italien, je pense, quoi. Je sais pas, des années 50 ou comme ça. Avec une grille, là. Ça s'ouvre. Et puis là, ici, on a la grille de ventilation, là. Ici aussi, là. Là, j'ai tout décapé, et puis je pense que je vais le repeindre, mettre une table, un plateau de verre dessus, faire une table basse avec. Il faut en récupérer des trucs comme ça, et il faut les transformer. Voilà. L'hippocampe, je l'ai réalisé il y a quelques années. Alors, j'ai fait toute la tête, évidemment, à la main, quoi, tous les détails, tout ça. La tête provient d'une passoire en inox d'une cantine. Les métaux courbés, c'est des tuteurs pour tomates que j'ai soudés ensemble. Et voilà, quoi.
Ça s'est fait en 2-3 mois, quoi. Ouais, j'avais commencé par faire la tête, je me suis dit, ouais, je m'arrêterai à faire que la tête, quoi. Et après, je me suis dit, bon, je vais faire le corps aussi. Quand il a été fini, je l'avais amené à Rock School Barbet, à Bordeaux, parce qu'il y avait Hippocampe Fou qui jouait ce jour-là, là, le rappeur. Et du coup, on a réussi à faire des photos avec lui et tout, et c'était super sympa. Et le soir, il nous a offert deux tickets pour aller voir le concert. Donc le soir, on a assisté au concert de Hippocampe Fou. Voilà, grâce à lui, ça a été notre billet d'entrée, quoi, un peu l'hippocampe, quoi. J'achète un moule, des moules, et en fait, j'ai coulé la résine dedans. Alors, cette résine, on peut la colorer, comme tu vois, bleu, verte, rouge, avec des paillettes, comme on veut. Et en plus, tu peux les rendre translucides ou vraiment foncés. Et l'avantage des translucides, c'est que si tu mets des pigments de couleur dedans, par exemple dans la verte, qui est translucide, j'ai mis des pigments verts, phosphorescents, ça fait que la journée, elle a ce vert-là, mais la nuit, comme elle a pris la lumière du jour, elle reflète la lumière, quoi, si tu veux, quoi. Du coup, elle est phosphorescente la nuit, quoi. T'as la bleue et la verte qui sont phosphorescentes. On ira les voir dans le noir tout à l'heure. Steve, je le connaissais parce qu'il avait déjà une petite association à Bordeaux dans laquelle j'allais. Et après, il m'a parlé qu'il allait prendre un hangar à Marmande pour y développer son association, quoi. Du coup, ben, j'étais dans les premiers à venir ici en plein mois de décembre, par moins de 10, pour nettoyer le lieu. Et qu'il soit présentable parce qu'on voulait faire une manifestation qui a été annulée par la mairie au dernier moment. Enfin bref. Et du coup, ça remonte déjà il y a 4 ans, ça va hyper vite. Et quand on est arrivé, le hangar était vide, il n'y avait rien. Et quand tu le vois maintenant, avec tous ces box, avec les résidents artistes là, ben ouais, ça fait plaisir quoi, de voir que ça tient toujours debout, qu'il y a d'autres programmations aussi, il y a d'autres événements aussi qui sont créés par l'asso. Donc c'est quand même positif de voir ça. Et puis moi je suis assez content de venir, d'avoir mon box là ici. Tu sais, des fois tu gamberges la nuit. Tu te dis ouais demain je vais faire ci et ça. Hop. Tu te lèves de bonne heure, tu arrives ici. Hop, tu fais ton truc comme tu l'as voulu. Des fois tu te casses à 11 h ou quand ça y est c'est. L'inspiration, elle est passée, t'as fait ton truc, tu rentres chez toi. Si tu veux revenir l'après-midi, moi des fois je reviens l'après-midi, des fois j'ai pas envie de revenir. Voilà, si le peintre il veut venir à 10 h le soir parce qu'il trouve que moi je fais un peu trop de bruit la journée, c'est bien parce que lui à 10 h le soir il dérange personne avec ses pinceaux, quoi. Donc tu vois, ça laisse une certaine liberté pour chacun, quoi. Ou tu viens le matin, tu casses les oreilles à tout le monde en faisant de la soudure comme ça, ou tu attends 9 h pour pas trop abuser. Et voilà, quoi, bah, dans l'ensemble, tout le monde s'entend bien et voilà, quoi. Il faudrait un peu plus d'artistes aussi qui viennent se mêler à ça, quoi. Tu arrives, tu prends le café, tu te mets à l'aise, tu prépares le truc, tu réfléchis, ou tu parles avec un collègue à côté, ou tu bois le café avec lui. Alors après, il ne faut pas trop parler parce qu'autrement, tu ne te mets jamais dans le boulot, quoi. Alors, moi, des fois, je suis un peu. Je dis bonjour et je vais directement, je vais parler à la personne parce que je me dis autrement ça va traîner. Donc du coup je me mets dans mon box, j'essaye de pas parler à personne, je dis bonjour à tout, de loin comme ça, faut que je reste dans mon truc quoi. Autrement tu t'éparpilles quoi. Mais bon c'est bien d'avoir toujours des collègues à côté. Tiens tu peux me donner un coup de main, tu peux faire ça ou qui donne leur avis aussi tu vois parce que les critiques c'est bien mais les critiques négatives aussi qui sont bien quoi. Et ça te permet de sortir un peu ta vision arc-boutée, parce que toi, tu veux le faire comme ça, mais si tu demandes des fois aux autres, tu dis, ah, moi, si j'étais toi, je ferais comme ça. Tu dis, ah, ouais, des fois, c'est nul ce qu'ils pensent, mais des fois, t'en tiens compte. Des fois, ça, tu dis non, ça me va pas, puis après, tu réfléchis à ce qu'il t'a dit, tu dis, bon, finalement, on pourrait peut-être faire comme il dit, mais c'est pas con, tout. Donc, bon, voilà, c'est bien d'avoir toujours des gars qui travaillent. Bon, après, il faut pas les perturber dans le travail, comme moi, j'aime pas être perturbé, tu vois, mais autrement. Voilà quoi, c'est bien quoi. Moi j'étais pendant des mois, j'étais tout seul, personne pour tourner un coup de main, même pour porter un morceau de bois, ça. Au bout d'un moment, si t'es tout seul dans un lieu artistique, le seul à bosser, bon, c'est un peu triste quoi. Donc quand il y a des collègues, c'est toujours mieux quoi. Tu vois, comme Luc, Steve, Michel qui fait la couture. Il y a d'autres artistes aussi qui sont là que j'ai pas rencontrés, j'ai vu leurs œuvres, mais j'ai pas rencontré.
Donc voilà, moi je viens, mais des fois je viens pas pendant, tu vois, 2 3 jours, après je reviens, après j'ai d'autres trucs à faire aussi. Bon. Là, quand tu vois ce que les autres ils ont fait, que toi t'as rien foutu, par exemple, tu dis, oh, regarde ce que j'ai fait dernièrement, tu dis, ah ouais, il y a longtemps que j'ai pas créé un truc, mais bon, des fois t'as pas l'inspiration, donc tu fais rien, quoi. Tu fais autre chose, hein. Tant que ça revienne, ou en voyant travailler les autres, des fois, ouais, ça déclenche les trucs, quoi. Tu t'es dit, ouais, il faut que je m'y mette moi aussi, quoi. Puis j'ai l'atelier ici au Tranquilou, donc mes œuvres elles sont là, elles sont exposées là, quoi. Voilà, il faut qu'ils viennent découvrir le lieu, le Tranquilou. On est ouvert tous les jours, il y a toujours quelqu'un de toute façon en permanence. Et puis il faut suivre ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Après j'ai une petite page Facebook, je mets les photos de mes œuvres en cours de réalisation à la fin. La page c'est faire du lard, c'est pour faire une blague, quoi. Faut rester modeste dans tout ce qu'on fait, un peu humble, quoi. Donc voilà, quoi. J'ai fait quelques expositions par le passé. La dernièrement j'en ai fait une avec le Tranquilou au bord du canal à Melun-sur-Garonne. Après des fois on transférait des. Enfin, moi je pouvais pas me déplacer, des fois ils prennent des œuvres à moi, ils les amènent à Bordeaux, comme ça. Voilà, mais autrement je fais pas de grandes expositions. J'ai une dernière petite question, bien sûr. Dites-moi. Est-ce que pour être soudeur, il faut avoir un moral d'acier? Ah, tout à fait, hein. Ne jamais lâcher l'affaire. Voilà, c'est le principal. Mais je te remercie beaucoup, Pierre. De rien, à À bientôt. bientôt.